seulement. Les bois de cerf sont faits d'os. Il ne faut pas les confondre avec la corne du mouflon, faite de kératine comme l'ongle. Le bois reflète l'état de santé du cerf. Plus il est en forme, plus il a d'énergie pour fabriquer de grands bois. Plus ses bois sont grands, plus il a de la chance d'avoir les femelles pour lui. Het edelhert wordt door zijn statig, waardig en elegant karakter de huidige van het woud genoemd. Hij draagt een prachtig gewei, samengesteld uit beenderig materiaal dat rond de leeftijd van 6 maanden verschijnt. Ieder jaar tussen februari en april valt het weer af, om dan tegen 2 centimeter per dag opnieuw aan te groeien. In 100 dagen is hij opnieuw van zijn nieuwe tooi dat wel tot 7 kilo kan wegen. Het gewei weerspiegelt de gezondheid van het hert. Hoe meer hij in vorm is, hoe meer energie hij heeft om een groot gewei aan te maken. En hoe groter het gewei, hoe meer kans hij heeft hinden voor hem te winnen. Het hert leeft in het woud. De groep volgt een oude hinde, terwijl het hert de troep afsluit. Maar meestal leven mannetjes en wijfjes echter apart, behalve in de paartijd. Deze kondigt zich aan door het spectaculaire roepen van het hert in de maand september. Admirez donc sur la droite le qui a des bois ici qui ont repoussé depuis environ un mois et demi et qui se trouve être encore en tour. Si on a l'œil assez vif, on peut l'apercevoir. Sachez, messieurs dames, que chez le cerf, le bois ne sera pas plus large. Évidemment, alors que chez le daim, lui, ces bois sont de forme palmée et aplatie, sur une largeur d'environ 15 à 20 cm parfois. Ils peuvent peser jusqu'à 7 kg sur leur tête également. Nous pouvons ici sur la gauche voir ou apercevoir les biches au milieu de la les travaux que vous avez pu apercevoir tout en haut du rocher tout à l'heure. Les travaux ici sont l'élaboration d'une clinique vétérinaire ainsi que de la nouvelle colline aux ours qui accueillera 4 oursons âgés d'un an et demi chacun et que l'on inaugurera le 1er juillet de cette année. Tout d'abord, le cheval que vous voyez là-bas, au loin sur la gauche, et notamment que l'on appelle plusieurs dans le matériel des travaux. Nous sommes à l'approche du cheval de Prirasky, qui est un équidé primitif à la crinière naturellement en brosse. Il est l'un des ancêtres des chevaux domestiques que l'on retrouve